La déception des Ivoiriens n'aura duré que quelques jours. L'espoir renaît, les publications s'enchaînent sur les réseaux sociaux, les internautes débordent de créativité depuis la victoire du Maroc qui offre à la Côte d'Ivoire l'accès aux huitièmes de finale de la CAN. On a fait exprès de ne pas gagner depuis parce qu'on voulait voir de cette CAN-là qui était nos vrais frères. On a vu que ce sont les Marocains. On doit faire un pont même au nom des Marocains. On doit donner un pont, papa Ado, aux Marocains cadeau. Les Marocains, ce que vous avez fait pour nous, choukran. De la définition du Maroc, mouvement africain pour la résurrection de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, mais la qualité. Ivoirien, mais la qualité. Ivoirien. Dans un style empreint d'humour et de gaieté, les créateurs de contenu sur la toile témoignent leur reconnaissance aux Lions de l'Atlas qui auront porté le combat de l'équipe de Côte d'Ivoire au bord du précipice. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. J'ai du mal à imaginer ces gens-là. Hein? Hein? Les chansons du royaume chérifien sont même devenues les sonorités préférées des Ivoiriens. Dans cette ferveur populaire, les supporters ivoiriens ne manquent pas de faire un clin d'œil à leurs voisins du Cameroun. Et les Camerounais là, on est qualifiés. Voilà, on a crié maintenant. Ça bouge pas, c'est 225 Côte d'Ivoire. En attendant la rencontre contre le Sénégal ce lundi 29 janvier, les Ivoiriens continuent de tenir la sphère digitale en haleine à travers des publications comiques.